C'est Amateur sur 2300 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Pokémon Soleil. Donc la dernière vidéo, enfin, la vidéo à la suite de toutes les autres que j'ai fait, où on avait affronté les 4 membres du conseil 4 et le maître de la ligue. Et là je voulais vous le faire, s'il y aurait un panthéon comme dans les autres Pokémon, là on nous voit avec nos Pokémon et tout, qui disent félicitations nouveau maître de la ligue, nanana, voilà. Et s'il y a une petite fête comme à la fin pour célébrer la victoire. Magnifique, superbe, j'applaudis dès demain. Comme je te l'ai déjà dit, l'excellence d'un dresseur se mesure par son aptitude à sélectionner les meilleures capacités pour ses Pokémon. Un nouveau maître est né, félicitations. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au mont Ukulani? Ou Okulani, je sais pas. Rien n'arrive à la cheville des dresseurs et des Pokémon d'Alola. Et je n'ai qu'un rêve, c'est que le monde entier le sache. Eh bien, grâce à toi, il s'est réalisé. Mélanie fait l'inferno. Un grand merci à vous deux. Qu'est-ce qui va se passer là? Ok, bon, il se passe quoi? C'était un vrai honneur de me mesurer à toi et en ce lieu hautement symbolique. Bien, il ne me reste plus qu'à officialiser ta victoire. Je nomme solennellement Mélanie, accompagnée de ses fidèles partenaires, le tout premier maître Pokémon de la région d'Alola. Félicitations au tout premier maître d'Alola. Qu'est-ce qui se passe? Étoile de feu niveau 62. Croc de lion niveau 59. Oh, c'est trop classe le truc. Oh, c'est trop classe. En fait, c'est même pas un panthéon là, c'est un truc qui se passe autrement. Oui, il montre mes Pokémon. Et là, voilà, je suis maître pour toujours. Sauf si je perds ma place en combattant les dresseurs. Et je vous ferai peut-être. Félicitations de tout pour mes maîtres d'Alola. Je vous referai peut-être des petites vidéos. Une fois que je me serai un peu plus entraînée, que je serai devenue un peu plus forte. Là où je combattrai mes adversaires qui vont prendre ma place de maître. Bref, qu'est-ce qui se passe après? Bon, après, je parie qu'il va y avoir le générique de la fin. Avec la petite fête, ou je sais pas. Quelle superbe entrée au panthéon des dresseurs. Félicitations. De même que le soleil baigne la lune de sa douce lumière, tu as apporté douceur et bonheur à tous ceux que tu as croisés durant ton tour des îles. Et en retour, toutes ces rencontres t'ont permis de progresser en tant que dresseuse. Tu adores vraiment les Pokémon, ça se sent. Cela explique comment tes partenaires et toi avez remporté la victoire haut la main. Tu es devenu un véritable exemple d'excellence pour de nombreux dresseurs. Tous se bousculeront au portillon pour t'affronter. Merci. Gloire au premier maître de la Ligue Pokémon d'Alola. Célébrons cet heureux jour sous l'œil bienveillant du soleil de la lune. C'est trop bien. Bon, Miss, c'est pas tout ça, mais il est temps de retourner à Mêlée-Mêlée. Faisons demi-tour et filons prestement vers Lily. J'ai hâte de voir la tête de Lily quand elle apprendra la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Ok, je suis retournée à la toute première île là, genre comme ça. Et ouais, Tilly, maintenant c'est moi le nouveau maître. Désolée, ce n'est pas toi. Le Pokémon, ils ont été soignés, rassurez-moi. Le professeur Pimprenelle avec son mari là, avec Forbes. Ouais, je crois que c'est sa femme. Non, ma mère avec son petit miaouss. Ah, c'est celle qui m'avait fait affronter Floramantis. Ok, genre, il y a tous les capitaines qui sont venus. Ah, Polly, son bourrinos. Avec Lily.
Bon, il se passe quoi maintenant? Mes chers amis, nous célébrons aujourd'hui l'avènement du tout premier maître d'Alola. Donnons-nous-en à cœur joie jusqu'au bout de la nuit, que la fête commence. Oui, bon, c'est bien joli. Oh, Gladio. Apparemment, c'est Lily après qui va nous emmener de capturer Tocorico. Et il paraît qu'elle va nous emmener genre direct pour le capturer, je sais pas trop quand. Mais j'espère que ça va être tout de suite après parce que j'ai prévu de le faire en vidéo et en plus je voudrais sauvegarder. Parce que je sais pas s'il est dur ou facile à attraper pour Tocorico. Tiens, Pépé Dan. Bah tiens, il est venu finalement. Oh, feu d'artifice. Mais disons que même dans les autres Pokémon, quand on est maître, HP dit félicitations au maître de la ligue. En fait, c'est jamais vraiment nous le maître, ça reste toujours le même. Ils font pas une aussi une grande fête que ça. Là, il y a vraiment des choses qui sont super bien dans ce Pokémon-là. C'est incroyable. La fête de malade, quoi. Ok, ils sont en train de sauter comme des fous. Félicitations, Mélanie. Ou devrais-je t'appeler maître? N'empêche, c'est incroyable, tout le monde qu'il y a. Et bien qu'elles se sont tous réunies en ton honneur, Mélanie. Ça fait plaisir de voir tout le monde s'amuser, les adultes, les enfants et même les Pokémon. Notre périple n'a pas été de tout repos, mais quoi qu'il arrive, je ne regrette pas d'être venue à Alola. Je suis vraiment heureuse de t'avoir connue. Non, d'avoir fait tout ce voyage avec toi. J'ai fait tomber mon stylet. Mélanie. Tu crois qu'on pourrait partir en douce et aller faire un tour aux ruines du conflit, juste toi et moi? Monsieur Pectorius m'a dit que le pont était réparé. Oui, mais en fait, j'ai pas prévu de... Enfin, je pourrais pas sauvegarder. D'abord, s'il te plaît. J'ai pas... Tu peux... Non, s'il te plaît. Apparemment, elle va nous emmener, elle va nous faire toucher tout de suite la pierre et j'ai pas envie. Enfin, dis-moi pas tout de suite. Et la fête, alors? On reviendra plus tard. D'abord, il faut absolument qu'on annonce à Tocorico quand t'as terminé le tour des îles. T'es sérieuse? Mais attends, mais je suis pas prête, je veux pas aller le capturer tout de suite. Je veux pas sauvegarder d'abord. Apparemment, elle va nous faire toucher la pierre pour qu'on le capture. Le truc, il y a Tocorico. Oh, pitié. Bon, bah si, je crois que c'est ce que je crois. Parce que quand mon frère il a fait, apparemment, elle va nous faire toucher la pierre et on va l'affronter tout de suite. Donc là, je vais arrêter là pour cette vidéo et on le fera dans une prochaine vidéo. Que je vais sortir du coup à la suite parce que malheureusement, je n'ai pas le choix à cause de Lily. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu par les commentaires, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner si c'est pas fait. Ça me ferait très plaisir. Je vous dis à la prochaine. Bye pour une prochaine vidéo.